Bonjour et bienvenue sur ce nouveau vlogcast. Donc je m'appelle Caroline et je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de mes projets tricot essentiellement. Ça va être un vlog un peu plus court que d'habitude, étant donné que j'ai publié le précédent un petit peu tard. Donc je vais vous faire le tour de mes en cours et puis après je vous retrouverai plutôt au mois de septembre. Alors, déjà, je voulais vous montrer mon gilet Ginger de Mademoiselle Pitroni qui est terminé. Il me reste juste les boutons à coudre, donc j'en suis très très contente, il est super joli. Alors, voilà. Il a un très joli point hirondelle qui est très facile à faire. C'est un gilet qui se fait du haut vers le bas avec une encolure en V et des manches raglan. Des petites manches en côte 1-1 et une grande bande de côte 1-1 en bas. Il est très sympa. Je vais essayer de vous le passer. Alors, j'ai rentré les fils, mais je les ai pas coupés. Je suis désolée pour la luminosité. Vous voyez bien. Voilà. Donc, c'est un gilet. Désolée, hein. La tenue n'est pas terrible. Mais voilà, c'est un gilet un peu ajusté. J'ai trop chaud. Donc, mon petit gilet. Donc, c'est un gilet que j'ai fait avec les laines du scarabée. Sa base Aploa, 100% Falkland, 400 mètres pour 100 grammes, coloris Héliodore. Voilà. C'est une laine qui est extrêmement douce, qui n'est pas super wash. Et pour avoir déjà fait un pull dans cette base, je sais qu'après, il y a un léger duvet qui se crée et elle est vraiment très, très agréable à porter. Donc, j'ai prévu des boutons que j'ai achetés chez Mondial Tissu. C'est des boutons noirs. J'espère que ça va aller. Comment je peux... Comme ça? En fait, j'y suis allée avec mon fils et puis j'ai rien trouvé qui me convenait. Donc, si ça ne va pas, je pense que j'en commanderai sur le site de Lise Taylor. Mais j'étais à Mondial Tissu et du coup, je me suis dit que j'allais acheter local. Mais bon, si je considère que finalement le rendu ne me plaît pas, ben je changerai les boutons. Mais je pense que ça devrait aller. C'est pour mettre en plus avec une robe noire, donc du coup ça fera un petit rappel, ça sera sympa. Donc il me reste tout ça de laine, plus de la moitié d'un écheveau. Je vais vous écrire combien j'ai utilisé de laine au total, je ne m'en souviens plus. Mais bon, en tout cas, j'avais 3 écheveaux, donc moins de 1200 mètres, hein, ça c'est certain. Voilà, ensuite j'ai terminé également mon pull Saturne que je faisais dans le cadre du cal organisé par Christelle de Rêver sa vie en couleur. Donc le cadre Rêver son pull Saturne. Il faudra que je vous mette une photo sur Insta de mon pull terminé. La même chose, il est lavé, il est bloqué, les fils sont rentrés mais pas coupés. Voilà. Alors, on voit, ah, comment, ici là. Une jolie marque de pooling qui ressort beaucoup plus à l'écran qu'en vrai. Donc c'est un pull, un modèle de Cécile qui est derrière le podcast Que font mes mains. Donc c'est le modèle Saturne, ça je vous l'ai dit. Et la laine, c'est la laine de Arco Iris. Coloris 9 3/4, donc c'est une de ces laines dans les teintes sur le thème de Harry Potter. Donc c'est une encolure ronde, on fait des augmentations de façon régulière, surtout l'empiècement là sur le yoke en faisant des jetés, ce qui ressort ici. Voilà, donc moi j'ai fait la version manche 3/4 pour l'automne. Je sais pas si je vais le porter beaucoup, j'ai pas beaucoup de manches 3/4 et il arrive... En longueur, il est pas mal. Voilà. Donc, on voit moins cette tache. Et je me dis, dans le pire du pire, si vraiment la tache me gêne de trop, ben, je reteindrai mon pull. Mais bon, je pense pas. Après, manche 3/4, je pense que je vais m'en servir surtout comme basique à la maison. Sinon, je suis quelqu'un qui est plutôt frileux. Donc, je vais avoir tendance à vouloir mettre plutôt des manches longues.
Donc, ça, c'est mon deuxième en cours, pareil. Dans trois échevaux, j'ai fait... Je sais plus quelle taille j'ai fait. J'ai fait taille 95 ou 100, un truc comme ça. C'est vachement précis, hein. Vous avez des informations du tonnerre. Je vous rappelle que toutes les informations dont je vous parle sont dans la barre d'infos en dessous. N'hésitez pas à cliquer, je vous liste tout et je vous mets les liens vers les boutiques et les patrons. Donc comme ça, c'est plus pratique pour vous de retrouver. Et comme je ne suis pas très, je ne suis pas très riche en informations aujourd'hui, comme ça au moins vous pourrez tout retrouver. J'ai eu envie, sinon, de monter le pull tout rose d'Atelier Émilie. Alors, je suis désolée, mon papier est très chiffonné, mais c'est ce pull-là. Donc, Émilie Louis. Parce qu'en grattant dans mon stock, j'ai retrouvé cette laine. Donc, c'est toujours les laines du scarabée. Hein, quand on aime, on ne change pas. C'est sa base fourmi, donc c'est une laine sport, 300 mètres pour 100 grammes. Et le coloris, c'est Sophora, donc 100% mérino, super wash celui-ci. C'est un très joli prune. Vous voyez la bonne couleur, hein, quand même. Et voici où j'en suis. Donc, en fait, c'est un pull avec une encolure bateau. Donc, on commence par monter une bande de côte, une certaine partie, une certaine hauteur plutôt, avec le motif. On reprend des mailles, là, on refait une bande de côte, une partie du motif sur une certaine hauteur, on joint en rond et on continue. Voilà où j'en suis. Vous voyez, la bande de côte. On relève des mailles sur les épaules qu'on rejoint en montant des mailles pour pouvoir faire la deuxième bande d'encolure. Je sais pas si je suis très claire. J'ai mis un petit marqueur pour marquer le devant. Et ensuite, on déroule en faisant ce très joli panneau de dentelle extrêmement simple. Décidément, c'est surexposé ici. Alors, je filme maintenant parce que c'est le seul moment où j'ai trouvé où il n'y avait pas plein de gens à la maison. Avec la rentrée, j'espère avoir un peu plus de temps pour filmer. Un peu plus de temps pour moi aussi, donc on croise les doigts. Donc voilà mon pull, donc il va falloir que je fasse une certaine hauteur. En général, moi je m'arrête à 33 cm parce que je ne suis pas très grande. Je ne fais pas forcément la longueur préconisée dans les modèles. Et ça, c'est un patron avec des manches longues, des manches simples, il n'y a pas de motif sur les manches. Donc, en cours à suivre, que j'ai dans mon très joli sac Maison Pleine Fleurs que je vous ai déjà montré 50 000 fois, mais je recommence parce que je l'adore. Et j'ai eu envie de monter en plus une petite paire de chaussettes. Donc, c'est les chaussettes Sock Promenade de Solène Leroux. Donc en fait, elle fait de temps en temps des espèces de... C'est pas vraiment des cales, c'est... Oui, si, c'est des modèles un peu surprises conçus avec elle, donc des modèles de chaussettes. Donc c'est un que j'avais fait, est-ce qu'il y a l'année dessus ? Il y a quelques années, c'était au début 2018, voilà. J'avais fait cette paire de chaussettes, j'avais beaucoup aimé, mais mes chaussettes ont rendu l'âme. Donc, je refais un modèle. Donc voilà ce que ça donne. Donc il y a un très joli motif avec des petites torsades 1-1, un petit jeu de jeté là. Un talon en maille glissée renforcée. Donc en fait on fait le rabat du talon et après on vient reprendre des mailles là, sur le côté et on diminue petit à petit. Donc moi j'ai fait juste, enfin plutôt comme ça, la tige. Le talon, et là je diminue jusqu'au pied, puis après bon, on fait le pied. Donc ma laine, c'est celle-ci, c'est une laine que j'ai depuis très longtemps. Est-ce que j'ai l'étiquette? Je crois que c'était de la laine que j'avais eue dans les box, ah oui c'est ça, Vidalana, c'était dans les box Knit Crate, ça a eu pas mal de succès à un moment, c'était pas très cher. Leur formule, on avait un écheveau pour une dizaine d'euros, quelque chose comme ça. Ça venait des États-Unis. Et après, avec le Covid et tout, ça a augmenté énormément.
Donc c'est de la laine. Il manque un bout de l'étiquette. Donc 80% péruvienne. Voilà, la fingering. Il me semble que c'est de la 365 mètres pour 100 grammes celle-ci. Un tout petit peu plus ronde. Bon, je vous montre le petit bout, mais ça vous avance pas grand-chose. Je sais pas si on peut la retrouver encore, cette laine. Hein. Ça fait vraiment longtemps que je l'ai. Donc voilà, donc moi... Je la tricote avec des aiguilles double pointe, les Adi Crazy Trio. Donc, c'est ces double pointe, mais qui sont qui ont un petit câble ici qui permet d'articuler l'aiguille. Donc, on a trois aiguilles au lieu d'en avoir quatre, contrairement aux double pointe classiques. Et moi, j'aime bien tricoter avec ça les chaussettes. Parce que, alors, j'ai le kit. On va faire aiguille. J'ai le kit Chiagou de mini aiguilles, donc où on a les petits câbles et les toutes petites aiguilles qui vont de la taille 2 à 3,25. Toutes petites aiguilles là. Mais j'aime bien pour les manches, mais pour les chaussettes, ça me fait mal aux mains. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que c'est des aiguilles plus petites, plus petit diamètre. En tout cas, je ne suis pas très à l'aise, donc j'ai tendance à préférer celle-ci. Donc le souci, là, c'est qu'on n'a plus trop la taille d'aiguille, ça s'est effacé, mais je crois que c'est des 2,25 celle-ci. Il y en a une sur lesquelles on voit encore, donc bref. Donc voilà, avec quoi je fais mes chaussettes. Donc celle-ci, je l'avance de temps en temps, c'est le projet que j'amène au boulot quand j'ai le temps. C'est-à-dire, pas beaucoup en ce moment, car on a énormément de travail. Donc, il me suit, je fais quelques rangs, mais je ne suis pas prête de mettre mes chaussettes. Je vous rappelle, sinon, que le cale tricote ton gilet de l'été est toujours d'actualité. N'hésitez pas à poster votre photo du projet fini sur Instagram si vous voulez participer. Il y a très peu de personnes qui ont participé. C'est pas grave. C'était sympa quand même. Moi, j'ai mon gilet qui est terminé. Même s'il n'y a pas les boutons, je vous en voudrais pas. Vous pouvez le mettre quand même. Je le considérerai comme terminé. Il est fini d'être tricoté. Hein. Donc, ça marche. Et je ne sais pas si je vais vous reprendre. Je pense qu'après, je vais entamer le vlog de septembre. Normalement, j'aurai plus de temps. Les enfants ont repris l'école. Le grand rentre à la fac. Le petit rentre en bac pro, donc ça me laissera un petit peu plus de temps pour filmer tranquillement, pour me consacrer à mes loisirs. Voilà, portez-vous bien et à très bientôt. Ça y est, il pleut et c'est pour notre plus grand bonheur après ces fortes chaleurs. Bonjour, je voulais voir avec vous, j'ai reçu un colis de Rosaline et Suzanne. C'est un magasin qui vend des coupons de tissu, notamment de Liberty. Et j'ai trouvé le paquet tellement joli que du coup je l'ai refermé pour pouvoir l'ouvrir avec vous. Donc déjà, d'extérieur, je trouve ça super beau avec le petit mot là personnalisé. Et en ouvrant... Voilà ce qu'on reçoit. C'est hyper charmant. Alors, je sais pas si je vais réussir. Voilà le colis. C'est hyper poétique. C'est très 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 bien emballé. C'est vraiment superbe. Donc, j'ai ces deux coupons de Liberty. Que vous voyez là, j'ai deux coupons de ce Liberty là emballé avec un joli ruban en dentelle, et j'ai celui-ci en dessous. Qu'est-ce qu'il est beau!
J'adore. Je suis trop contente de ma commande. C'est magnifique. Alors celui-ci, il est intitulé Aurora, enfin intitulé appelé. Le bleu, c'est Luna Belle. Et celui-ci, c'est Phil Flower. Voilà. Les trois coupons ensemble. Donc j'en ai pris deux comme ça et deux bleus. Les bleus, j'aimerais bien pouvoir me faire des rideaux pour ma chambre ou en tout cas les intégrer dans des voilages pour ma chambre. Avec, donc on a cette jolie fleur, ce joli rose même séché. Alors, ça c'est des surprises. Alors pour ouvrir avec une main, ça va pas être évident. Je fais de la gymnastique des doigts, donc c'est un petit sac. Ah, c'est de la lavande dedans, petit sac parfumé. Donc je vais faire attention maintenant que je l'ai ouvert, pas tout faire tomber. Celui-ci, à l'intérieur, il y a, je pense que c'est une illustration sous un sous-boc, un dessous de tasse. Mince, c'est pas pratique. Je coupe et je vous reprends. Oui, donc effectivement, c'est une jolie illustration sous un dessous de tasse. J'avais pris le club découverte et je me suis commandé en même temps deux torchons illustrés. Donc, je ne sais pas quoi et quoi. Vous avez vu ce paquet comme c'est joli. Certainement un petit sachet de thé. Merci, merci à toi de faire des si beaux paquets. Et deux paquets comme ça. Et en dessous, il y a des petits échantillons. Liberty Classique Ciara. Voilà, pour celui-ci. Et celui-ci, Liberté, la Zombie Mamie. C'est super joli. Je vais ouvrir les paquets, je vais vous montrer après ce qu'il y a dedans, parce que j'ai peur que ça fasse trop de bruit, puis avec une main, c'est pas évident. Alors voilà, j'ai tout ouvert. Donc j'avais ces trois jolis coupons pour découvrir, trois coupons surprises pour découvrir un peu les libertés qu'ils proposent. Donc c'est super beau. J'adore. Je les trouve vraiment très beaux. Je m'étais pris un lot de deux torchons, parce que j'ai craqué sur l'imprimé Tea Towel 100% coton. Voilà, c'est des torchons qui font 45 par 68, donc c'est quand même une taille correcte. Et puis ces coupons-là que je vous ai montrés. Voilà, donc c'est sur la boutique de Rosaline et Suzanne.